Voilà, Danny Boone sur la scène du Casino de Paris en ce moment, avec un spectacle qui s'appelle En parfait état, et qui est mis en scène par Judith Godrèche. Très bon spectacle. Qui est notre invité ce soir. Très bon très spectacle. Très beau spectacle qu'on a vu il y a quelques jours et vraiment super. C'est éclaté. Et Danny va venir nous en parler, pas la semaine prochaine puisqu'il n'y a pas d'émission, mais la semaine d'après. Donc vous avez fait le titre, vous avez fait les costumes, vous avez fait les décors. Vous avez beaucoup d'influence sur lui, non? Pas tant que ça en fait. Ah bon hein. Vous le manipulez un peu quand même. Non, non, la preuve, quand il a été question justement de faire un enfant et qu'on s'est dit, bon ben voilà, on ne peut pas faire un enfant si moi je suis à Mexico et lui il est en tournée, on en a parlé et si je l'avais manipulé, j'imagine qu'il aurait annulé son spectacle. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez tout annulé. J'ai arrêté de travailler pendant un an et lui, il ne l'aurait vraiment pas fait. C'est un truc dont il n'était pas capable et je le comprends d'ailleurs. Il faudra qu'un de ces jours, il fasse un sacrifice pour vous, Dany. C'est vrai. Hein? C'est lui qui sera enceinte. Bon, tout se passe bien entre vous. Ouais, ça va très bien. Ok, ok. Danny Boone, donc au Casino de Paris en parfait état. Elle l'a pas fait du tout. Elle a profité pour boire, boire son whisky. Elle a bu son antésite, là. Elle boit de l'antésite. C'est du thé, patate. 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 Oh, bonjour, monsieur Patate. C'est votre vrai nez. Patate, donc. Patate, c'est bien, je trouve. Pas bien, patate. Ouais. Tu n'aurais pas dû dire ça. Je vais trouver un légume qui va te convenir. Brocoli, tout à fait. Brocoli, c'est bien, c'est bon pour la santé. Oui, c'est vrai. C'était le nom d'un producteur de cinéma, surtout, brocoli. Alors, en parfait état, Casino. Comment je la joue. On n'était pas nés dans les années 30, nous, Thierry. Ah oui, il produisait James Bond. Petit boss avec la gaffe, maintenant, et comment il s'appelle. Ne dis pas du mal de la gaffe. La gaffe est mon ami, un Vincent. C'est une bonne émission. Ouais. La semaine prochaine, nous recevons. En fait, j'ai un lot de chemise en ce moment, si vous voulez. Si ça vous intéresse, c'est des trucs pas chers. C'est beau comme couleur. Ouais, c'est sympa, hein. La vôtre, Kat, c'est la même, mais qui a été lavée une fois, c'est ça? Bien. Alors, vous allez partir seul aux États-Unis. Oh, les attaques pourries. Donc on va. Les fins, les noms, les physiques. On s'est connus en début d'année. Donc comment allez-vous, tout ça. Non. Alors, vous allez partir seul aux États-Unis. On va faire un petit test pour savoir si amoureusement vous êtes. Comment ça se passe? Parce que nous, on est inquiets pour Dany d'une certaine façon. Attention, ça s'appelle l'interview alerte rose.